8 candidats étaient encore en compétition pour cette grande finale. Les doyaux Tom Pernot, Vincent Cesse, tout en dira contre je la sais. Jennifer Demey, Nathalie Marc et Pernot. Et d'autres êtres que personne ne soupçonnait vraiment, Juju Fitness, Norbert Harrer. Avec le même objectif depuis le début du jeu, que les doyaux identifient les traîtres. Traîtres gardent leur identité secrète. Pour cet épisode final, les candidats du passé devant un tribunal répondre aux questions des anciennes. Personnalité éliminée. Direction ensuite une banque pour récolter le plus de lingots possible. Avant une toute dernière participation à un conciliabule de table ronde. Une dernière discussion riche en rebondissements. Nathalie Marc et Pernot qui ne supportaient pas d'être soupçonnés d'être traîtres. Mais juré sur les tombes de Jean-Pierre Pernot, son mari décédé. Qu'elle ne faisait que partie des traîtres. Une allusion forte qui a incité plusieurs candidats à changer leur vote. Une partie des internautes y ont vu des lentilles tirées jeu. On jure pas sur les tombes d'une personne décédée pour un jeu. Manque de respect total envers son mari. Envers ses enfants, bref, les traîtres ont l'attitude de Nathalie en jurant sur les tombes de son mari. Les traîtres issus du vote Tom Pernot obtenu 4 voix contre le. La créatrice de contenu Andy 3 voix. Or, Tom Pernot était un loyal tueur traître. Lors du deuxième tour, des personnalités encore en compétition sous son montre complètement perdue. Cette fois, c'est Jean Lassalle qui a obtenu le plus de voix contre lui. Mais lui aussi était loyal tueur traître. Le troisième tour s'est fait de la pression et pleurs particuliers pour lui. Présentatrice météo de 0 Jennifer Demey. C'est les candidates Andy qui étaient éliminées de ses alliés s'étant retourné contre elle. Encore un loyal d'éliminé. Quatrième ultime vote, cette fois le cuisinier Norbert Harrer qui en a fait les frais. Enfin un traître identifié, Resustel. Nathalie Matt et Pernot et Jennifer Demey étaient persuadés que les loyaux avaient gagné sens. S'imaginez que Juju Fitcré est une traître. Je suis traître, je suis désolé de faire Juju Fitcré pleure. Attitude carbume de bluff, la créatrice de contenu réussit à cacher son identité jusqu'au bout. À l'issue de cette finale, 0 se félicite de l'audience des traîtres pour cette seconde saison qui est attirée davantage de téléspectateurs que des premières l'an dernier. 2,5 millions de téléspectateurs ont regardé le jeu en moyenne, soit 14% de l'ensemble du public.